Hey, 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 hey. De retour en live en direct, on s'est terminé avec un extrait de Roots Manuva, extrait de son dernier LP, extrait de son dernier album, conseillé à aller chercher directement. Donc aujourd'hui, on a un invité, il est déjà passé dans les studios, il connaît bien les studios, c'est monsieur Paranoyan, en live en direct. Yes. Bonjour. Un petit mot, c'est ça? Vas-y, un petit mot. Un petit mot, je lance un appel à toute la France. Il faut désabler, ou sabler plutôt, les quartiers de France. Parce que dans les quartiers de France, il y a de la glace, on fait des accidents, je suis en retard à l'émission. Donc tous ceux qui nous entendent, ben voilà, il faut qu'on brûle des voitures pour qu'il n'y ait plus de neige ou quoi. Quoi de neuf alors depuis? Depuis le temps, ben je sais pas, il y a des clips, il y a des scènes, et il y a des gens qui m'appellent et je réponds pas au téléphone parce que j'ai changé de téléphone aussi. Et j'ai plus de Facebook. Ça sert à rien. C'est parce que au début, je crois que c'était une meuf qui m'en voulait parce que j'avais gardé son téléphone. Puisque j'avais plus de téléphone, j'avais un petit peu emprunté longtemps. Ok. Je me suis dit, elle m'en veut, elle m'a fait sauter mes comptes parce que tu sais, quand t'as niqué la meuf, après tu vas sur ton Facebook, tu peux pas cacher ton code. Tu vois, si tu viens de la niquer, tu fais ça, ça fait fou. Donc je me dis, c'est elle a regardé en fouinasse. Mais je pense pas en fait. Et sinon, bah voilà, hein, toujours la même. Star, Lidl, Marché Match. Ok, donc là il y a un projet tout chaud de toi là qui arrive. Ouais. 4G, c'est ça? Ouais, 4G. Donc c'est une clé USB que je vais vendre dans un sachet de Dimage. Pour le moment, je suis en train d'économiser pour acheter les clés. Je pense que mon cochon sera cassé d'ici un mois et que le cochon sera bien gros pour pouvoir en faire assez. Donc normalement, d'ici un mois, j'aurai de quoi en avoir. Okay. Et il y a 2-3 clips qui arrivent, dont un là qui est lancé Ma Ville, qui va être en rotation sur MTV. Okay. Donc MTV c'est de la merde, hein, mais par contre c'est bien parce que ça va me permettre de démêler des trucs derrière. Et sinon, il y a une petite scène qui arrive, la première partie de La Rumeur aux 4 Écluses à Dunkerque. C'est quand? Ça c'est dans longtemps, hein, parce que tu connais en rap pour être programmé c'est dur. Tellement dur que ça doit être vers février-mars. Comme ça. Ok, on va revenir sur ton projet. On pensait qu'il y aurait eu un son à faire passer en exclu. Ouais. On va faire sans, puisqu'on est en live en direct et bien vivant. Donc 4G, c'est clé USB. Et quelle est la stratégie? Bah, la stratégie, c'est qu'un CD, c'est un format 70 minutes, 75 minutes, plus ou moins, tu vois. Et comme moi, j'avais jamais réussi à sortir de trucs avant et que ça s'est empilé. Mmh. Il doit avoir 40 morceaux, il doit avoir 13 clips. Et des vidéos marrantes, des petits trucs et tout. Je me suis dit, bah voilà, il y a 4 gigas, on peut les remplir. Les gars, on va les remplir. Et on va vous les donner pour 10 euros, le même prix qu'un CD. Tu le mets dans ta poche. Et en plus, cette clé-là, tu sais, Evie, je suis en train de travailler avec des laboratoires américains là-dessus. Avec Mac Gannon et Coy McFoley, tu sais. Et donc, c'est une clé super parce que si tu veux, si tu la mets dans ta poche, par exemple, s'il fait froid, il y a une petite puce électronique qui est tout de suite relié à ton électrocardiogramme qui remonte ta température corporelle de 2 degrés. Si les keufs ils te filent, tu cours 3, on fait des réglages en ce moment, mais 3-4 km plus rapide. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lien direct avec gouv.fr, www.gouv.fr, okay. Où ceux qui auront la clé pourront discuter directement avec des éminents politiciens sur les problèmes de la cité ou de la vie en communauté concernant les jeunes des quartiers. Donc ça, okay, c'est super, tu pourras faire ton coup de gueule, tu pourras dire Fillon va te faire enculer grâce à cette clé, tu vois. Et c'est quoi les thèmes? Je pense que vu qu'il y a un paquet de sons, il doit y avoir différents thèmes. Et c'est quoi je crois qu'il y a 3 directions, c'est ça? Ouais, il y a 3 directions. Alors déjà, je fais une petite parenthèse très rapide. Moi je suis content de venir dans ton émission Evie parce que peu importe l'audimat ou l'audience, je commence à être un petit peu en lien avec les médias. Je me rends compte que les médias, bon c'est pas une surprise, c'est les gens qui contrôlent, c'est les gens qui connaissent rien à la musique. Ouais, et je préfère venir dans des émissions comme ça ici où au moins la personne elle sait quoi, tu vois. Même si c'est pas forcément toute la France qui écoute, c'est pas grave, au moins le message il est bien perçu. Et donc tu me parlais de ma direction dans le truc. Donc tu vas avoir une couleur un peu plus sombre, tu sais, un peu sombre, un peu classique. Une couleur des glingos, plus texte, drogue et divertissement. Okay. Et une couleur un peu plus commerciale, un peu plus ouverte. Mais ça reste quand même des textes vulgaires et crus, quoi. Ça reste du Paranoyan. Voilà. Ok, qui sont les producteurs qui apparaissent? T'auras du DJ Prophecy, big up à l'équipe de Valenciennes, t'auras du Krypton,
t'auras du Amor, t'auras du Xav, Ed Wood, PHP, qu'on connaît aussi. T'auras pas mal d'autres beatmakers que j'oublie là, mais qui ont participé au projet, 5-6 en tout. Et après, en termes de feat, t'auras du Kazé pour Paris, t'auras du Acro pour la Belgique. Et pour les Lillois, t'auras quasiment tous les membres de la Jonction en solo avec moi. T'auras aussi du Bromer, du 16S, t'auras du Chilien, t'auras du Cubain. C'est un petit bordel quoi. Ok, du monde. Du monde, du monde, mais pas mal de solo aussi, parce que le problème c'est que sinon tu fais comme ça, Soulcast. Ouais, ouais. Soulcast, c'est super bien, gros. Ton taf il est très très bien fait, mais le problème c'est que t'as fait tellement de featuring que on se demande si tu t'es pas caché derrière ça. Et moi je voulais éviter ce travers en fait. C'est justement, c'est mieux de se livrer, de se mettre à nu un moment, puisque voilà, c'est bien de se couvrir de MC, de featuring. Tu peux faire les deux, mais après quand tu fais que ça ou que tu mets en avant que ça, c'est un piège. Yes. Est-ce voilà. qu'il y a encore des choses à rajouter? Oui, donc 3G, clé USB, comment se le procure? C'est quoi le, ça sera quoi le lien? Excepté alors, internet, le lien physique. Alors si tu veux une clé 3G, surtout tu parles pas d'argent, tu parles en code, tu fais ouais Neuya, je peux passer vite fait chez toi, tranquille. Non, pour le moment on est. Alors je t'explique, pour la distrib, j'essaie déjà de faire beaucoup de com avant pour être visible. Il y a pas mal de gens avec qui je suis en train de voir qui sont prêts. Bah, y a Manu qui est là dans les studios avec qui on a déjà bien avancé en négoce. On va faire la moitié sur internet, genre par le biais de Musicast ou d'autres choses comme ça, c'est pas encore clair. Les magasins, eux, ils nous disent bah voilà, une clé, c'est pas un support comme les CD. Comment on fait pour les mettre dans les bacs? On n'a pas l'habitude, on a peur, on n'ose pas. Donc on est en train de voir plus ou moins si en grossissant le CV, en faisant des scènes, en faisant des trucs, ça passe. Okay. Et sinon on fera aussi sous le manteau. Hein. Sous le manteau, tous ceux qui connaissent sur internet, si on pirate plus mes Facebook, je filerai un Facebook, tu viens et puis on s'arrange, on trouvera une solution. J'achète une mobilette, je fais une entreprise écran de Pizzaiolo et puis je te vends de la 4G tranquille. Et puis si je peux, je t'aurai un petit Mexicanos avec. Yes, on parlait d'internet. Tu peux laisser ton adresse pour ceux qui connaissent sur pas ton adresse, où on peut écouter déjà une grande partie du travail déjà fait depuis un bout de temps. Sur internet, à part si t'es une meuf et que tu vas sur Adopte un mec, tu peux plus le trouver. Franchement, tu veux plus me trouver. Faut aller sur Google Vidéo Paranoian, et là par contre tu vas avoir une dizaine de pages. Tu te fais ton tri, il y a des trucs que t'aimeras pas et des trucs que peut-être t'aimeras bien. Voilà. Ok, j'avais préparé des vinyles, mais je dis la vérité, on va travailler en CD puisque techniquement il y a un des vinyles qui cafouille. Donc voilà, on va faire ça en CD. Il y a des instrus, si t'as du carburant, voilà, on te donne du gasoil, mais pas de chez ESSO. Ça marche, pas de problème.